5 cultures maraîchères très rentables en Afrique en 2023. Dans cette vidéo, je viens vous partager cela. Si tu es en Afrique et tu recherches des stratégies business, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin puisque tu es au bon endroit. Bonjour chers internautes et bienvenue sur El Agro Africa. Je suis Ernest Yontan, entrepreneur, formateur et chercheur. Ici, nous partageons les astuces et techniques pour promouvoir la culture des plantes maraîchères sur le continent africain. Ceci va donc te permettre de développer ta propre culture maraîchère et de gagner beaucoup d'argent. Avant de commencer, si tu es nouveau, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo et partage-la pour faire grandir notre communauté. Clique sur la cloche de notification pour être notifié des nouveaux contenus. Alors, on va aller très rapidement. La première culture maraîchère qui rapporte gros en 2023, c'est la culture des pommes de terre. Les pommes de terre adhèrent à un sol léger, assez profond et riche en éléments nutritifs. Si tu as de l'espace d'au moins 1000 mètres carrés et que tu as des compétences, alors je t'invite à te lancer. C'est un immense marché qui rapporte minimum 600 000 francs CFA en 3 mois pour 3 sacs de pommes de terre cultivées. Et si vous organisez de façon à cultiver 10 sacs de pommes de terre, alors vous pouvez avoir jusqu'à 2 millions de francs CFA en 3 mois seulement en Afrique. Je dis bien 2 millions de francs CFA en 3 mois en Afrique. Donc, tu peux te positionner et gagner gros en cultivant les pommes de terre. Chers internautes, je m'en vais vous présenter la deuxième culture maraîchère qui n'est pas la moindre et qui permet de faire fortune en Afrique en 2023. Il s'agit de la culture des carottes. Ah oui, les carottes s'adaptent sur des sols frais, profond et sableux ou limoneux, sans pierre ni cailloux. Alors, si tu veux te lancer dans cette culture, qu'est-ce que tu fais? C'est très simple, chers internautes. Tu te rapproches juste des centres de vente des semences et puis tu achètes donc une boîte de carottes de 700 grammes et tu te lances. Je t'assure, tu ne vas pas regretter. Cette culture peut vous rapporter des millions de francs CFA en 3 mois seulement. Je parle des millions de francs CFA en 3 mois. Voilà l'exemple. Pour une boîte de carottes de 700 grammes achetée à 11 000 francs CFA et cultivée sur un espace approximativement de 1000 mètres carrés, vous pouvez pour un rendement optimal obtenir 100 filets. Et sachant que le filet peut être vendu à 7 000 francs CFA, chers internautes, vous pouvez alors avoir à la fin 700 000 francs CFA en 3 mois seulement. Je dis bien 700 000 francs CFA en 3 mois seulement pour une boîte de carottes cultivées. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Si vous êtes prêts, je m'en vais vous présenter la troisième culture maraîchère qui rapporte gros en Afrique en 2023. Il s'agit, chers internautes, de la culture des poivrons. Ah oui. Les poivrons adhèrent à un sol léger, humifère et frais. Le poivron apprécie donc un site chaud et lumineux. Il faut ici juste avoir un peu de compétences et du temps aussi pour contrôler les plantes. Sinon, c'est une culture vraiment rentable et qui nécessite juste une présence régulière au champ. Beaucoup d'agriculteurs ont d'ailleurs des difficultés à faire cette culture puisqu'elle est assez compliquée comparée aux deux autres présentées précédemment. Mais si tu es passionné d'agro-business, je t'invite à te lancer. Alors, pour une boîte de poivrons de 50 grammes achetée à 35 000 francs CFA,
et cultivé sur un espace de 500 mètres carrés, chers internautes, vous pouvez, pour un rendement optimal, avoir 120 filets. Et sachant qu'un filet est vendu à 10 000 francs CFA, ça vous fait donc 1 200 000 francs CFA en 3 mois. Je parle bien de 1 200 000 francs CFA en 3 mois en Afrique. Alors, nous allons voir ensemble la quatrième culture maraîchère qui rapporte gros en Afrique en 2023. Chers internautes, il s'agit de la culture des poireaux. Ah oui, la culture des poireaux. Le poireau adhère à un sol léger, profond et riche en éléments nutritifs. Le cycle est assez long, de 6 à 7 mois, du semis à la récolte, afin de lui laisser le temps de bien se développer. La levée des jeunes plantules prend 15 à 20 jours et il est conseillé fortement de les élever en pépinière durant 2 à 3 mois. C'est une culture assez stable qui demande juste un peu plus de moyens financiers pour nourrir les plantes. Chers internautes, pour 500 grammes de poivrons lancés, c'est-à-dire une boîte achetée à 28 000 francs CFA, vous pouvez, pour un rendement optimal, obtenir 600 paquets. Et sachant qu'un paquet peut être vendu à 2 000 francs CFA, alors vous pouvez donc avoir 1 200 000 francs CFA pour la culture d'une boîte de 500 grammes de poireaux. Alors, pour réussir cette culture, il faut juste, chers internautes, avoir des compétences requises. Même si tu n'as pas de compétences, c'est très simple. Tu peux te former en un clic en t'abonnant à notre chaîne El Agro Africa, puisque chaque fois, nous partageons les astuces et techniques pour te permettre de développer ta propre culture maraîchère et aussi de gagner beaucoup d'argent. Tu peux aussi aller sur Google et puis faire donc la recherche pour avoir la procédure pour cultiver les poireaux. À défaut de cela, tu peux te rapprocher des centres de formation agricole. Je t'assure, tu vas ressortir gagnant. Tu peux aussi choisir aller vers des personnes qui pratiquent déjà cette agriculture et tu te formes. C'est une culture qui rapporte gros. Prends ceci au sérieux et positionne-toi si tu es intéressé. Chers internautes, je m'en vais vous partager la cinquième culture maraîchère qui rapporte gros en Afrique en 2023. Il s'agit, chers internautes, de la culture des tomates. La tomate préfère des sols de terre meuble, sileux, argileux, riche en matière organique et au pH entre 5 et 7. Ici, je te propose de te lancer puisque tu n'as pas besoin d'avoir un gros budget avant de commencer. Une culture sur 1000 mètres carrés d'un sachet de 5 grammes de tomates peut vous rapporter jusqu'à 200 paniers. Et sachant qu'un panier peut être vendu à 5 000 francs CFA, vous pouvez alors avoir jusqu'à 1 million de francs CFA en 3 mois seulement. Je dis bien 1 million de francs CFA en 3 mois seulement. Et tu as ainsi les possibilités de faire d'autres activités en parallèle, telles que les autres cultures comme nous l'avons cité plus haut. Imaginez, chers internautes, si vous organisez de façon à faire 50 grammes de tomates. Alors, vous pouvez
avoir des revenus allant à 10 millions de francs CFA en 3 mois seulement en Afrique. Je parle bien de 10 millions de francs CFA en 3 mois seulement en Afrique. Le secret ultime, c'est de commencer avec ce que vous avez et de faire ce que vous pouvez. Commencez avec ce que vous avez pour faire ce que vous pouvez. Merci, chers internautes, d'avoir écouté les 5 cultures maraîchères qui rapportent gros en Afrique en 2023. Si tu es nouveau, je t'exhorte à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt.